Peggy 18. Certains spectateurs pourraient trouver les images qui vont suivre violentes ou choquantes. Vous voilà prévenu. Recoucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc j'ai tout simplement eu pas mal de petits changements sur le serveur. Je vous le cache pas parce que pendant quelques jours je me suis pas connecté. Donc du coup je l'ai confié à une personne en fait. Donc à une femme qui gère un petit peu mieux que moi ce genre de petits détails, parce que tout simplement elle est un petit peu... Elle a... En fait, comment vous expliquer ça? C'est que elle connaît un petit peu plus comment installer les mods sur le serveur. Donc du coup je lui ai demandé s'il y avait la possibilité de les installer. Et ça fait plaisir parce que en fait elle a réussi à installer pas mal de, petites choses vraiment sympas. En tout cas c'est pas sur mon côté que vous allez voir ça, mais de l'autre côté que je vais vous montrer dans quelques instants. Donc moi pour ma part, en fait je vais continuer un petit peu encore à faire certains trucs. Et après bien évidemment j'essaierai tout simplement de pouvoir enfin chasser, faire des trucs, parce que c'est ça qui vous intéresse. Je ne vous le cache pas bien évidemment. Et faut savoir que ARK a sorti aussi une nouvelle carte. Donc je vous la présenterai dans une troisième saison, si bien évidemment il y en a une. Et je pense que vous allez tout simplement un petit peu kiffer, parce qu'il y a pas mal de trucs qui vont être vraiment sympas. Parce que c'est une carte qui est cool, mais par contre elle est vide, parce que je l'ai explorée très rapidement. Et je me suis rendu compte en fait qu'elle est complètement vide. Et pour l'instant j'attends qu'ils mettent beaucoup d'espèces en fait dedans, parce que c'est une version on va dire encore nouvelle. Donc ils sont en train de peupler petit à petit la carte. Nous pour notre part on va se concentrer un petit peu ici. Donc je sais que certains en ont un petit peu marre de la construction. Bon, c'est pas une grande majorité comme toujours, hein. C'est toujours la minorité qu'on entend toujours le plus. Mais voilà, c'est toujours comme ça. Moi j'ai un programme en fait à faire, et du coup je vais pas me gêner pour le finir en fait, hein, je vous le cache pas. Donc je me suis fait juste voler un petit peu mon aigle, j'ai l'impression. J'ai vraiment la poisse. Donc c'est pas vraiment grave, parce que l'aigle en fait il me servait juste à prendre un petit peu de hauteur, histoire de voir un petit peu la construction. Donc moi mon objectif va être simple, c'est-à-dire que je vais vite fait finaliser quelques petits détails. C'est qui ce petit malin là? D'accord, il y a des nouvelles espèces que je connaissais pas forcément. Je dois lui mettre de la nourriture pour l'approvisionner. Ok, c'est comme un petit peu les petits singes. Et ça nous permettra tout à l'heure de pouvoir en profiter. Donc j'ai, comme je vous ai expliqué, c'est plus moi maintenant qui gère le serveur. Donc c'est une personne qui est passionnée par ça. Donc vous l'avez pas forcément vu parce qu'elle était dans ma base derrière. C'est-à-dire la première base de mon premier let's play, elle s'était mise là-bas et du coup elle avait énormément d'espèces. Je vais vous montrer ça dans quelques instants. Donc là pour l'instant je regarde vite fait si j'ai quelques trucs. Non, j'ai pas mon aigle. Donc là je me suis fait vite fait une petite tour une fois comme ça, en m'amusant, parce que je voulais la faire monter plus haut que la tour là-haut là. Donc maintenant j'ai plus de limites, ça fait plaisir parce qu'elle a réussi à me corriger ce détail. Donc ça fait du bien. Donc je suis plus tout seul aussi sur la zone. Donc rappelez-vous, je vous avais expliqué, mon objectif c'était de faire un village et partir après faire de la chasse ou tout simplement faire des collaborations avec d'autres tribus. Et c'est ce que je commence à faire de plus en plus. Donc là pour l'instant c'était juste un pont pour pouvoir relier un petit peu tout le monde, pour que les gens par exemple qui ont envie de nous voir, bah, ils passent par ce pont là, etc., etc. Donc c'était ça un petit peu l'objectif de ce pont. Donc j'ai pas encore complètement terminé. Ça je le ferai juste après, donc c'est pas vraiment un vrai problème. Et maintenant je vais vous montrer quelques petits trucs qui ont un petit peu changé. Donc c'est bien évidemment de l'autre côté. Voilà, donc je vais vous montrer un petit peu. Donc la forteresse, dites-vous bien, c'est que vous allez... En fait pour certains c'est un peu long la construction, je veux bien, il n'y a pas de problème. Mais comme on dit, hein, si tu veux vraiment quelque chose d'intéressant, bah faut des épisodes, il en faut. Donc après, tout simplement, tricher ou pas tricher, on s'en fout, c'est pas le but. Parce que de toute façon, comme j'explique, hein, chacun aurait les mêmes codes de tricherie. Vous inquiétez pas, c'est les premiers à pas se gêner en fait à lancer des assauts pour exploser les bases des ennemis. Hein. Ça j'ai déjà vu parce que je connais un petit peu comment les gens en fait ils adorent parler. Mais dès qu'ils ont les mêmes moyens que la personne, bah t'inquiète pas qu'ils se gênent pas. Sauf que certains rushent parce qu'ils ont pas cette possibilité. Bref, je m'en fous, c'est pas l'objectif. Moi j'en profite un peu parce que je sais ce que j'ai à faire. Et là je vais vous montrer un truc, c'est quoi celui-là là en bas là? Ok, c'est un dino. Donc là il y a une porte, vous allez dire qu'est-ce qui s'est passé? Donc là je vous avais expliqué qu'il y avait un petit village qui a commencé un petit peu à naître. Donc j'ai fait une collaboration. Donc maintenant je suis dans un clan de filles en fait. Et oui, je suis dans un clan de filles. Moi ça me dérange vraiment pas parce que les filles elles sont un petit peu cool, elles se prennent beaucoup moins la tête. Elles font leur truc de leur côté et ça fait vraiment plaisir. D'accord, c'est plutôt cool quoi. Maintenant, je vous cache pas que... Comment vous expliquer ça?
Qu'est-ce qu'il veut lui? Non mais fous-moi la paix. Donc voilà la base en question que la personne s'est téléportée. Je vais vous montrer, pas téléportée, mais qui a ramené les espèces ici. Elle les avait depuis le début, donc cherchez pas. Les filles, elles aiment bien colorer des trucs, hein. Donc ça m'en regarde pas. Ils font ce qu'ils veulent quand ils veulent. Et je ne suis pas là pour porter un jugement là-dessus. Même si des fois certaines espèces sont bizarres. Je lui ai donné carte blanche, je lui ai dit cette base-là, je m'en occuperai pas du tout. Donc est-ce que tu veux t'amuser avec? Elle a dit oui. Et voilà, donc maintenant on va essayer de faire un petit village ici. Donc comme vous voyez, elle a beaucoup d'espèces parce qu'elle a mis pas mal de temps. Ça fait 2 semaines qu'elle était tranquillement derrière son petit serveur. Et je vous cache pas que ça fait plaisir parce que j'étais moi-même surpris de voir en fait que... Tiens, regarde, c'est pas moi qui va mettre un mammouth en rose, hein, tu vois, déjà, pour te dire que je ne suis pas le fautif de tout ça. Faut que je trouve juste un aigle ou un truc comme ça. Donc là, il y a mon panda. Elle m'a fait un petit panda pour me rendre hommage. Ça fait plaisir, mais sauf qu'il fait flipper, cet ours. Donc là, il y a des espèces un petit peu partout. Donc, tout ça, c'est pas triché, hein. Je vous le dis d'avance, hein. Il n'y a aucune triche. Ce n'est pas à moi les espèces, c'est à la personne en question, c'est à Ange. C'est elle qui a tout fait, donc elle m'a expliqué qu'elle est morte énormément de fois. Donc, je vous cache pas que moi, dans l'histoire, je n'ai rien fait du tout. Pour une fois, franchement, j'étais vraiment à l'écart. Maintenant, c'est juste que je lui ai donné, on va dire, la possibilité d'installer des mods sur le serveur. C'est pour ça qu'il a une étoile d'administrateur. C'est juste ça qui change. Et tout ça, c'est elle qui le fait, hein. C'est même pas moi, hein. Vous voyez, c'est dingue, hein. Comme quoi que moi-même, je suis à la traîne, contrairement à certains qui maîtrisent beaucoup mieux les choses que moi. Bien évidemment, je peux aller parce qu'on a fait une alliance. On est 4-5 dans le truc. Je vais juste prendre un truc volant pour survoler tout ça. Faut que je vole un truc qui vole bien. Parce que j'avais des aigles, mais je sais pas où ils sont passés, en fait, finalement. Donc là, on a... Ah, tiens, ça, c'est quoi là-dedans, là? C'est quoi tout ce bordel? Tiens, il y a même des petites espèces ici. Bizarre. Je ne cherche plus trop à comprendre. Donc, je vais essayer d'attraper un petit truc tout petit. Tu vois, regarde, c'est même pas moi, il y a marqué. Hein. Appartient Ange. C'est pas moi, tu vois. C'est pas moi, hein. Bon, je lui carotte ça parce que j'ai besoin de faire un truc. Parce que je veux pas invoquer un dragon exprès. Donc là, je me sauve un peu avec. Donc cherchez pas, ils ont vraiment tout. Hein. Donc voilà, en fait, en hauteur, ça donne un petit peu ça. Vous allez un peu voir. Donc c'est pas encore complètement fini. Donc bien évidemment, nous on est installé là. Il y a un autre voisin qui s'est installé juste à côté. Donc je vous ai dit, c'est ça le plus kiffant, c'est que maintenant on pourra vraiment chasser ensemble et c'est ça que je voulais. Mais les gens, en fait, certains se démotivent et tout simplement, ils lâchent vite l'affaire. Donc voilà, un autre voisin ici. Donc on pourra faire une petite alliance entre tribus. Il s'est construit ce genre de petit endroit où il stocke un petit peu certaines espèces, d'accord? Et il a fait un petit radeau bien sympatoche. Donc là, je vous cache pas, c'est qu'il y avait quelqu'un d'autre qui était installé là. Malheureusement, j'ai pas compris, c'est que je pense qu'il est pas venu pendant un petit temps. Et ce qui s'est passé, c'est qu'il s'est fait supprimer automatiquement sa construction. C'est vraiment dommage parce qu'il avait fait un beau truc ici. Il a même un peu galéré, c'est ce qu'il me disait. Mais comme j'explique, c'est que des fois, en fait, on n'a pas le temps de se connecter sur ARK pendant une semaine, voire 2 semaines, parce qu'on a tous nos propres raisons. Et on se rend compte, en fait, que ce qu'on a construit, en fait, c'est complètement cassé la gueule, quoi. Donc c'est un peu dommage, quoi. Donc là, je suis en train de survoler un peu. Je vais vous montrer un petit peu son ancienne base, où est-ce qu'elle était située. Comme ça, ça vous montrera un petit peu plus le truc. Il y a quelqu'un là-bas, chez moi. Bon, vite, faut que je me sauve. Avant qu'il me remarque. Parce que sinon, ça va être... Ah, t'es là! Non, je suis pas là. Moi, je passe juste en coup de vent. Comme ça, je vous montre un peu. En fait, lui, il faut que je le capture, l'autre Petra, là, plus tard. Pour le chasser, celui-là, ça va être un peu tendu parce que... Je sais pas comment faire, on verra bien. Et qu'est-ce que je veux dire? Donc ouais, donc... pour l'instant, la nouvelle carte, on verra ça un petit peu plus tard parce que je me dis, bon, ok, elle est belle. Et je vous la montre juste après cette... je vous le montre juste après. Vous allez voir un petit peu les changements. C'est pas la The Carte qui me fait vraiment kiffer plus que ça. Elle est jolie, hein. Je dis pas le contraire, mais vous allez voir qu'il manque beaucoup d'espèces et j'en dis pas plus. Pour l'instant, je vous emmène dans son ancienne base et vous allez comprendre que là-bas aussi, elle a bien bossé la personne. Et l'objectif, en fait, c'est de faire un petit peu une colonie. Donc, on n'est pas forcément obligé d'être tous dans la même tribu parce que ça sert strictement à rien. Donc, chacun peut faire sa tribu, mais on peut faire des alliances. C'est-à-dire, on peut devenir des camarades avec lesquels on peut chasser, avec lesquels on peut tout simplement apprivoiser des espèces, où on peut faire énormément de trucs vraiment cool. Et ça fait vraiment plaisir, donc c'est plutôt sympa.
Après, il faut savoir avoir beaucoup d'espèces, c'est pas un problème dans le jeu parce que le serveur en fait te permet d'avoir une vitesse assez élevée de crafting. C'est-à-dire que tu n'attends pas 3 heures pour avoir un Rex par exemple, tu vas attendre quoi? Tu vas attendre 10 minutes. Donc déjà c'est un gain de temps, c'est pour ça que tout le monde a beaucoup d'espèces dans le jeu. Il suffit juste de être bien organisé pour pas se faire tuer et après vous avez cette possibilité de pouvoir, comment vous expliquer ça? Bah, d'avoir beaucoup d'espèces en fait qui vont vous permettre de continuer votre aventure, etc. Donc c'est pas vraiment un énorme problème. Donc leur tour normalement elle est à côté. Par contre, c'est bien d'avoir ce genre de matériel, mais qu'est-ce que c'est galère à conduire, plutôt à survoler, parce que on se rend compte que ça blague pas du tout. Donc il y a quelques modes qui ont été installés. Vous allez voir juste après, je vais vous même montrer tout de suite, comme ça vous allez kiffer. Donc les modes qui ont été installés, bougez pas. Donc j'ai pas la possibilité de les faire bizarrement. Donc c'est des modes comme ça, des rampes, des barrières, des nouveaux trucs, des arrondis, etc. etc. Donc ça fait vraiment plaisir de voir qu'on peut faire vraiment des choses vraiment plus jolies maintenant que de faire toujours des trucs bien carrés. C'est ce que j'avais, des escaliers arrondis, etc. etc. Je vous ai dit, on peut faire énormément de choses en fait avec les modes, etc. sur PC. Ça fait vraiment plaisir. Donc c'est plutôt cool, quoi. Donc après, l'objectif, c'est que vous venez, vous faites ce que vous avez envie. Donc si après vous avez envie de vous mettre un petit peu plus loin, bah, je vous interdis pas, hein. C'est pas parce que j'ai décidé de faire un petit village où on peut chasser ensemble que vous êtes forcément du même avis. Faites ce que vous voulez en fait, la carte est si grande, c'est que moi je dis que c'est plus vivant en fait d'être tous ensemble et après de cohabiter. Et certains tout simplement, si ont envie de partir un petit peu plus loin, faire un petit peu leur vie, bah rien ne vous empêche, hein. Donc rapidement je vais essayer d'arriver là-bas, mais qu'est-ce que c'est long aussi à survoler, je vous assure. Donc en plus j'ai vraiment la brume. Il y avait aussi quelqu'un qui était un petit peu plus loin là-bas. Malheureusement c'est pareil, il est plus du tout revenu. C'est pour ça que je vous dis, dès que vous êtes un petit peu isolé, ça fait un peu triste. Vous êtes tout seul en fait. Et que maintenant on est quoi? On est 5-6 sur le serveur en limite, pas en permanence, mais presque. Donc il y a des personnes qui sont connectées. Donc je pense que même moi, si je suis pas là, ne vous dites pas ouais je vais me connecter absolument pour jouer avec Body. Faites connaissance avec d'autres personnes. Essayez d'explorer vous-même. Les choses que vous aimez bien, etc. Ne vous prenez pas forcément la tête à m'attendre à chaque fois parce que je suis quasiment très peu là. Parce que je vous cache pas, c'est que j'ai énormément de choses à faire en tant que en termes de vidéo que je peux pas me permettre d'être constamment connecté en fait. Par contre, qu'est-ce que c'est un petit peu la galère, je vous cache pas parce que je vois vraiment rien en fait avec cette tourelle. Donc c'est bien beau de faire des maisons volantes, mais tu vois rien. Mais en plus, en pleine nuit, tu vois quasiment rien. Et le temps d'arriver là-bas, c'est un peu long. Attendez. Je vais tout simplement partir là-bas. Donc ça, c'est la fameuse île qui était... Il y avait quelqu'un qui était là-bas. Donc maintenant, elle est complètement abandonnée. Donc là-bas, l'île était intéressante parce qu'il y avait beaucoup de métal, en fait, qui était disponible dans cette région. Moi-même, je ne savais pas. Mais après, comme j'explique, ça demande énormément de travail de pouvoir tout avoir à fond. Donc... C'est pas forcément évident quoi. Donc après, il y a un truc qui me plaît moi sur RK, c'est que pour l'instant je fais encore mon château, même si certains commencent un peu à vous péter, tralala. Qu'est-ce que je m'en fous, parce que le jour où tu regardes une série Game of Thrones ou n'importe quoi, tu crois que le réalisateur il attend que tu ouvres ta bouche à chaque fois, ou tu t'accapares la série pour lui dire change ça, change ça. Qu'est-ce qu'ils s'en foutent, le mec il sait exactement ce qu'il fait, il sait ce qu'il veut faire. Et voilà, donc les gens après c'est à eux de s'adapter, c'est pas on va dire à toi de t'adapter à chaque fois parce qu'il y a quelqu'un qui n'a pas envie d'avoir ce genre de truc, sinon tu finis pas, tu fais jamais une série finalement. Si j'ai envie de faire un château, si j'ai envie de mettre même une nana, limite une statuette, je fais ce que je veux en fait, parce que j'ai peut-être un but derrière, mais les gens en fait sont tellement pressés, tellement en machin, que maintenant je m'en fous, comme j'explique, c'est des jeux qui me passionnent et j'ai vraiment envie de faire des trucs en tant que passionné, donc même si je crafte pendant 200 épisodes. Franchement, je m'en fous. Je suis arrivé à un stade où je m'en fous parce que je vais pas vous mentir. Parce que les Américains, dès qu'ils font un truc, la communauté, soit elle kiffe, soit elle regarde pas. C'est aussi simple que ça. Et tu vois, je vais m'arrêter à ça, moi, dans ma vie. Parce que quelqu'un a décidé de me dire non, mais il faudrait que tu commences à comment expliquer ça? À ramasser du bois normalement. Mais t'inquiète pas, je l'ai prévu. Donc peut-être dans 10 épisodes de ramasser du bois normalement. Ou peut-être que j'ai jamais prévu. Ça me regarde. Donc après, l'objectif, c'est de pas perdre du temps inutilement à ramasser du bois pendant 500 épisodes. Ça, je le ferai plus tard, peut-être dans la saison numéro 3. Mais voilà, ce que je veux dire par là, c'est que moi, je kiffe. J'ai un but en tête, c'est faire un immense truc. Et j'ai vraiment en fait envie de m'éclater parce que je sais ce que je veux faire après avec
avec les espèces. Quand moi je vais les provoquer, je vais essayer de faire des pièges pour que, par exemple, ils rentrent, ils se fassent coincer, etc. J'ai énormément d'idées en fait. Je déborde vraiment d'idées. Du coup, j'ai envie d'en profiter parce que YouTube, c'est aussi ça. C'est pas forcément jouer en mode traditionnel, c'est de faire les choses que tu kiffes. Parce que le plus important, c'est de prendre du plaisir dans un jeu et c'est pas de suivre une logique dans un jeu. Il y a des Américains, ils se foutent complètement la gueule des jeux. Donc il y en a, ils les critiquent de A à Z et ça fait marrer le public. D'autres qui font les trucs très sérieusement, d'autres qui font de la construction, d'autres qui font de la chasse, d'autres qui font de la survie, d'autres qui s'amusent entre eux. Chacun fait ce qu'il veut. Donc tant mieux s'il y en a pour tous les goûts en fait. C'est ça qu'il faut savoir. Donc l'objectif est vraiment simple, c'est de s'évader en fait en fonction. Qu'est-ce que je fous moi sur l'île là-bas maudite là? Donc on va arriver dans sa base. Désolé pour le temps parce que je pensais pas que c'était aussi long ce truc-là. Ah oui, parce que d'habitude je prends un dragon ou quoi que ce soit et je commence un peu à survoler. C'est histoire d'aller plus vite, hein. C'est pour pas perdre de temps. Mais voilà, ça m'a permis de vous expliquer certaines choses et personnellement, hein, moi je me prends plus trop la tête là-dessus. Donc on est presque arrivé, hein. Donc c'est juste là-bas. Donc dans mon ancienne base, hein, tout simplement. Donc là-bas j'aimais bien le coin parce qu'il était assez calme. Et je crois que je crois que je vais me taper un objectif un peu bizarre, c'est que je vais raser toute la forêt. Non mais pas là, hein, j'exagère, mais tu rases toute la forêt, tu te fais une immense zone, etc. Moi, ce que j'aurais vraiment kiffé, c'est tout simplement avoir la possibilité de pouvoir avoir énormément de personnes en boss, en fait, un petit peu comme dans certains jeux de stratégie, comme des petits villageois, et qu'on essaie de construire vraiment des villages, après des possibilités pour pouvoir, limite, comment vous expliquer ça? Tuer les Rex, etc. Donc, c'est là-bas qu'elle était, voilà, vous voyez bien. Donc, pendant 2 semaines, en fait, personne parlait, mais tout le monde était là. Bizarre, hein? Donc tout ça c'est pas c'est légal hein. Y a rien de cheaté ou je sais pas trop quoi. Donc là vous voyez bien c'est que il y a des personnes qui bossent, qui sont passionnées, qui passent peut-être 10 heures par jour pour faire ça. Et voilà, ça leur fait plaisir et du coup bah ils s'éclatent. Donc en fait je lui ai demandé de s'il y avait la possibilité qu'elle puisse me rejoindre de mon côté. Parce que là en fait c'est bien sympa ici, mais ça fait tristouner en fait. Donc la personne m'a dit écoute, il n'y a pas de souci, je vais essayer de prendre quelques espèces, pas toutes, mais je vais prendre quelques espèces histoire de tout simplement pouvoir attends, je vais essayer de lui dire de pas me suivre. Ouais, elle m'a dit je vais prendre quelques espèces tout simplement pour pouvoir te suivre et faire évoluer un petit peu la colonie. Mais voyez déjà les idées de construction, c'est même pas moi qui les a. Bienvenue Shikami. Donc là on est Shikami, donc chez quelqu'un d'autre. Donc une fille aussi. Donc voilà, elle a fait sa petite maison tranquillement. Alors je vous dis, il y a pas mal de personnes motivées, ça fait vraiment plaisir. Donc les filles, en fait, j'ai l'impression que elles se prennent pas la tête, elles sont là, elles jouent, elles s'éclatent quoi. Donc l'objectif, c'est qu'elles fassent un petit peu ce qu'elles ont envie, et ça fait vraiment plaisir. Donc là, c'est pareil, on a un petit peu quelques constructions. C'est quoi ça? Attends, mais ça, par contre, je savais même pas ce truc-là. Et si j'appuie E, ça fait quoi? Ça se réveille, donc à mon avis, c'est un truc qui va te piquer les fesses, dès que tu vas passer à côté. Donc les filles, hein, je vous aime bien, mais c'est quoi ces couleurs tricolores? Expliquez-moi. Faut arrêter les filles au bout d'un moment. Parce que là, ça flash. Là, ça flash. Putain, mais elles ont fait vraiment des trucs beaucoup plus poussés que moi. Voilà. Tu vois, elles s'éclatent beaucoup mieux. Donc après, elles m'ont expliqué qu'il y a pas mal de trucs. Attends. Ah, ils m'ont cramé que j'étais à la première base. Ils m'ont cramé que j'étais à la première base. Merde. Donc ici, on a la possibilité de pouvoir voir ce qu'ils ont fait. Non, franchement, c'est beau. Hein. Moi, j'aime bien parce que ça fait vraiment stylé. Donc, vous voyez, je peux même prendre des idées après pour pouvoir construire davantage des choses intéressantes. Bon, par contre, les couleurs, faut aimer, quoi. S'il y a des personnes qui kiffent ce genre de couleurs, ou pas. T'es sérieux, toi? C'est quoi ce truc-là? Hey, elle nous a fait un Shaolin Soccer ou quoi? Attends, hey, mais regarde, un Dragon Ball Z ou je sais pas trop quoi. Mais n'importe quoi. Genre, le singe, il est comme ça. Bref, je regarde, j'ai plus rien à dire là. Un digicode et tout, mais les portes sont ouvertes. Hein. C'est vachement sympatoche. Donc là, ils ont fait ça. Vous voyez, c'est ça que je kiffe, c'est aussi visiter la maison des personnes qui construisent. Comme quoi, je me mets pas forcément en avant parce que ça m'intéresse pas. Ce que je veux aussi, c'est de voir les maisons des autres et de voir qu'est-ce que eux ils font et comment ça se passe. Donc là, il y a pas mal de trucs. Donc là, je regarde un petit peu. Donc il y a pas mal de trucs. Ok. Ah, ils se sont tués. Ils se sont vraiment flingués pour avoir tout ça. Hein. Donc ouais, ça leur a demandé 2 semaines.
C'est ce qu'ils m'ont dit en fait. 2 semaines de création. Pas, pas, pas. Et dire que moi je suis encore au stade de construction. Ils vont se foutre de ma gueule, les gens. Dire, mais eux, ils sont bien, mais toi, tu construis tête de nœud encore. Eh oui, moi, je construis encore. C'est de ça que je vous parlais la dernière fois. C'est où ça? Attends, parce que. Comment tu fais pour utiliser tambour? Ah, voilà. Vous entendez le fou? Ça fait ça, ça m'a fait marrer. Tu mets ça sur. Vous expliquez ça sur un char. Pas sur un char, mais presque. Tu t'éclates, quoi. Pas un char, mais plutôt. C'est quoi ça? Et il passe par où lui? Quelqu'un qui vient de passer là. Donc là, il y a des aigles encore. Oh putain, laisse tomber le délire. Des trucs électriques. Moi, les trucs électriques, je n'ai pas les posés. Hein. Voilà. Donc là, je vais tout simplement. Oh tiens, putain, il y en a des conneries dans les coffres aussi. Hein. Moi, c'est ce que je voulais faire, c'est une maison comme ça aussi, en fait, avec un toit beaucoup mieux fait, en fait. Mieux arrondi que de faire toujours des trucs carrés. Carrément, ça passe ici. Waouh. Ouais, franchement, c'est du bon boulot. Merde, faut que je me cache. Faut que je me cache. Je suis cramé. Je suis cramé, ils savent déjà où je suis. Donc voilà les amis, donc je pense que c'est vraiment cool. Donc n'hésitez pas après à regarder dans la description parce que beaucoup me disent mais c'est quoi le nom de ton serveur? J'arrête pas de le dire, c'est dans la description, dans toutes les vidéos d'ARK sur la saison 2, tout est marqué. Voilà, c'est pas compliqué. J'ai même un abonné qui a fait un tutoriel comment rejoindre les serveurs. Et du coup, c'est vraiment facile en fait, c'est pas compliqué. Bien évidemment, je suis que sur la version... Je suis que sur la version PC. Voilà, c'est aussi simple que ça. Maintenant, on a des plantes carnivores un peu partout. Ok. Donc là, on a tout ça. Moi, je me sauve rapidement. Ah, mais ils ont fait un grand truc quand même ici dans cette zone. Hein. Mais voilà, ça fait plaisir de présenter, comme j'expliquais, les créations des abonnés parce que leur travail, j'ai pas non plus envie qu'ils soient en vain en fait. Putain, quoi? J'ai même fait une porte là-bas. Oh, le délire de ouf! Comme dans le thriller. Arrête. C'est quoi cette grosse porte? Ah mais et vraiment ils sont ingénieux quoi les gens. Moi à côté je suis un bouffon à côté. Non sérieux je suis vraiment un bouffon. Arrête, eh, c'est stylé quand même hein. Qu'est-ce que vous en dites? C'est bien fait hein. Ah non, franchement ça fait plaisir de voir que certains se kiffent ce genre de truc. Mais voilà après pour faire ça faut beaucoup plus de monde pour faire après. Des petits matchs entre nous, etc. Mais bon, bref, après, maintenant, chacun fait ce qu'il veut, mais ça me fait assez marrer, quoi, tout ça. Là, je passe par là. Il y a des crocos, il y a la totale. Non, 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 franchement, c'est bien. Franchement, qu'est-ce que vous en dites? N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous trouvez que le travail des filles était intéressant ou pas. Moi, franchement, je dis que oui. Putain, même là. Oh les pervers, ils l'ont mis complètement ici. Ah ouais, ça blague vraiment pas parce que je m'aperçois qu'il est tout est bien barricadé là. Tout est bien barricadé et du coup, tu peux trop pas passer là. Non, c'est bien. Ça montre qu'il y a une motivation qui est derrière et du coup, ça fait plaisir de voir des gens motivés. Pas des gens qui viennent juste... 3 minutes et après qu'ils passent de serveur en serveur histoire de montrer un petit peu leur tronche, etc. etc. Donc ouais, ici j'aimais bien cette zone là, mais après franchement je vous cache pas que il y a d'autres zones en fait que j'ai voulu un petit peu privilégier histoire de pas toujours avoir la même chose parce que c'est bien un petit peu de changer de temps en temps et ça nous permet tout simplement de pouvoir comment vous expliquer ça, découvrir davantage d'autres trucs quoi. C'est quoi ces conneries là encore? Ça c'est des piliers en métal. Ok, donc là, ils ont sorti carrément deux gros trucs. Ouais, des spirales bizarres. Voilà. Donc moi, je vais me mettre ici. Donc je vais quitter mon serveur. Se déconnecter. Et je vais vous montrer la nouvelle carte. Donc, partie locale. Donc, c'est ce serveur-là. The Center, hein. Bien évidemment, la carte, elle s'appelle comme ça. Niveau de difficulté, allez, mettons un, on s'en fout. Il y a un gros défaut, par contre, qui me saoule, c'est que vous allez voir que la nourriture, tout ça... La consommation, elle est vraiment chiante parce que c'est extrêmement relou, quoi. Récupération de l'énergie. Alors, on met 3.
Voilà. Santé du joueur, récupération de santé du neuron. Là pour l'instant je laisse ça comme ça, clac 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 clac. J'ai aussi des modes ici, je les mets pas parce que ça va complètement changer ce que je veux vous présenter. Lancer le mode solo. Voilà. Je vais vous montrer un peu la nouvelle carte très rapidement, comme ça vous permettra de vous jeter un petit coup d'œil. Pour ceux qui ont tout simplement envie de découvrir. Mais elle est vraiment pas évidente parce que c'est une carte qui va pas du tout rigoler. Vous allez vous en rendre compte par vous-même. Donc ça va changer complètement de ce que vous avez connu en fait par rapport à la première. Mais j'ai l'impression que la deuxième, là, celle qui nous en sortit récemment, elle est un peu plus petite et un petit peu plus facile aussi. C'est qu'il y a beaucoup de désertion et désertion, c'est-à-dire des zones un petit peu désertiques où vous n'avez pas la possibilité de faire ce que vous avez envie aussi. Et ça, c'est un petit peu chiant. Donc c'est pour ça que je préfère encore rester sur la une et vu que les filles elles sont à fond de la construction, ça je m'embête pas. Oui c'est vrai j'étais quelque part dans une zone assez bien sympatoche. Donc voilà je me suis baladé une fois. Donc je vais vous montrer qu'est-ce que ça nous a procuré. Donc là je suis dans une zone à l'intérieur en fait d'une cascade où normalement je pense que tu es censé mourir. Donc j'ai découvert un petit peu des ressources hein, dans cette zone. Donc il y a un petit peu de métal et un petit peu d'autres pierres. Et en fait, le truc le plus intéressant que j'ai trouvé, c'est en fait d'avoir des espèces complètement différentes qui ont apparu. Par exemple, on a une nouvelle espèce, c'est la raie. Et la raie, en fait, vous pensez qu'elle est amicale. Tu vois, c'est ça qui me saoule. Ça y est, je suis déjà presque mort. Ça, je suis bien un peu sur mon serveur parce que le côté tu manges, le côté où t'as tout le temps pas de stamina, t'as rien, c'est vraiment décevant quoi. Donc là, regardez, il y a des nouvelles espèces, il y a des requins, il y a tout. Je vais vous montrer en fait des raies. Où est-ce qu'elles sont les raies? Bizarrement, il faut que je les trouve, mais je sais qu'elles sont là. Donc là, on voit un peu les dauphins, on voit un petit peu des requins aussi. Il y a les raies quelque part qui sont un petit peu à côté. Bizarrement, c'est les requins qui arrivent vers moi, mais... Je sais... Ah, elle est là. Regarde, en plus, elle te fracasse ta gueule, celle-là. Elle s'est niquée tout seule. Espèce d'abruti, va. Donc la raie en fait elle peut pas sortir en dehors de l'eau. Mais voilà, ça y est j'ai une raie qui est là. Et vous voyez très bien que les raies ne rigolent pas du tout. Elles étaient vraiment tu vois, viande crue de poisson. On a un nouveau truc qui est apparu. Donc là il y a beaucoup de changements en fait dans cette carte là aussi. Donc je ramasse vite fait de la viande mais on s'en fout parce que de toute façon je vais mourir dans pas longtemps. Pour vous montrer un petit peu ce qui nous attend. Voilà. On va faire connaissance rapidement avec des autres espèces. Et là ils vont arriver en moins de 2 secondes. Les deux fois j'ai cru qu'elle allait m'exploser. Regarde, notre copain requin arrive. Roca. Tiens, un deuxième. C'est qui ça? Donc eux, ils me défendent même pas. Bon, allez, mange-moi rapidement, comme ça c'est fait. C'est bien parce que Bodhi arrive même à faire sortir des requins en dehors de l'eau, t'as vu? Le mégalodon, il fait moins le malin en fait avec moi. Hein. Mais bien évidemment parce que. Il peut pas me croquer. Tiens, il y a 3 potes. Donc normalement ici, t'es censé mourir en quelques instants. Il y a 4 requins. Je vous dis ici, vous avez très peu de chances de survie parce que vous devez pas tomber à l'intérieur normalement. C'est ce que j'ai l'impression. Mais en tout cas, je me suis bien éclaté la gueule parce que... Regardez tout ce qu'ils sont. Regardez tout ce qu'ils sont. Voilà, ça y est, je suis mort. C'est pas grave. Maintenant, on va réapparaître autre part. Donc ça va vous permettre de découvrir la carte. Là, vous la voyez. Elle est constituée comme ça. Donc j'étais dans cette zone-là. Donc à l'intérieur ici, tu meurs. Hein. Maintenant, toutes les apparitions se font à côté. Là, il y a une lave Islande. Donc, vous allez me dire, c'est quoi? Alors, vous allez voir, en fait, c'est de la lave qui est pas loin. Et pour ça, il faut que j'aille vite. Donc, il y a des temples qu'ils ont fait. Un petit peu d'autres textures aussi qu'ils ont mis en place. Ah oui, ça commence très bien. Il y a un Rex qui veut me courser. Oui. Bon, bah, oublions cette zone-là parce qu'elle est quand même assez dangereuse. Parce que si un monsieur Rex qui vient vous manger, c'est que vous êtes déjà dans la merde. Mais fous-moi la paix, petit con, va. Et moi, je suis en train de leur montrer la carte et toi, tu m'embêtes. Donc, ouais, il y a des petites grottes comme ça et des trucs. Ouais, ça a l'air vraiment beau, hein. Oh merde, 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 merde. Il est mort? Il est mort. Regarde qui arrive. Il y a un petit con qui va me flinguer. Bon, regardez bien parce qu'on va apparaître d'autre part après. Le cardon lui s'épuise pas.
pas le Carnot, mais le Raptor. Voilà. Ça, ouais, je l'ai semé pour l'instant. Je reste calme parce que s'il arrive vers moi, il va vite m'endommager les fesses. Non, c'est bon, il est pas là. Donc voilà, en fait, vous avez ce genre de petit truc ici. C'est mignon, en fait. Ça change un petit peu. Donc là, vous avez nos amis tortues. Vous avez tout simplement d'autres petites conneries aussi. En fait, pour la découvrir, faut que je la survole, en fait. Parce que moi, je l'ai fait quasiment vite fait. Et du coup, j'ai découvert beaucoup de choses très intéressantes. Après, là, vous avez trouvé toutes sortes d'espèces aussi, hein. C'est un peu dangereux parce que traverser un lac comme ça, vous allez voir par vous-même qu'on va vraiment se faire piquer un petit peu le postérieur de temps en temps. Tiens, là-bas, il y a une bagarre, à mon avis. Il y a un scorpion, je crois. Tiens, il y a des requins. Je savais même pas qu'ils étaient là. Ouais, parce que là-bas, c'est un peu plus profond. Et cette carte-là, ça fait un petit moment qu'elle existait, hein, je vous le cache pas. Donc là, elle est sortie officiellement. Mais moi, je l'avais déjà, en fait, cette carte-là. C'est un peu bizarre. Ou je dis déconner, c'est même pas. Ou c'est peut-être pas celle-là. C'est peut-être ça, c'est une carte de. C'est un mode, je sais pas. Mais en tout cas, je sais que c'est une nouvelle carte que je vous ai pas encore montrée. Et du coup, je la trouve vraiment intéressante. Parce que tu peux faire pas mal de trucs. Mais elle est beaucoup plus petite que celle qu'on a déjà. Donc après. C'est un peu chiant parce que, comme j'explique, il y a pas mal de nouvelles espèces. Après, il y a aussi pas mal d'endroits où tu peux pas passer. Tiens, 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 et lui il est blessé, donc il a dû se bagarrer avec quelqu'un qui est assez dangereux. Et la stamina, comment tout me manque ici. J'avais bien paramétré tout le reste. Hein. Voilà, ça ressemble à ça. Donc ça, je vous le présenterai un petit peu plus tard. Et je pense que ça peut devenir intéressant après, par la suite, de recommencer une autre aventure sur ce genre de terrain. Pour l'instant, on n'est pas encore là, parce que j'ai pas encore complètement terminé les choses que j'avais entamées en fait. Donc là, vous voyez bien, c'est qu'on retrouve un peu la même famille. Donc là-bas, il y a Speedy là, qui nous attend. Tu vois bien, il est tout content. Dès qu'il va nous voir, il va nous foncer dessus. Tu vas rien comprendre, Body. Ça, c'est vrai. Lui qui avale comme ça. Voilà, sinon, ça donne un petit peu ça. C'est plutôt cool aussi. Elle est jolie, mais après, elle tourne trop sur elle-même. Vous voyez, donc il y a tout ça en fait. Après, il y a des volcans un peu plus haut. De la lave. Donc je vais vous montrer dès que je vais mourir, bougez pas. Ah, je vais un peu forcer la mort, comme ça je vais vous montrer un peu les autres régions. Ah non, j'ai un raptor que je me suis fait moi une fois. Coucou. Ouais, que je me suis permis de faire un raptor en fait. Ah, c'était le mien celui-là. Ah bah voilà, ça va être plus facile. Ouais, je me suis permis d'aller plus vite la dernière fois, je me suis éclaté. Au moins, ça vous montre un petit peu mieux les choses. Par contre, il a pas beaucoup de stamina. Mais bon, ça va me permettre d'être un peu plus tranquille là dans pas longtemps. On peut passer même par là-haut. Vous voyez, dans le temple. Mais par contre, faut que je fasse attention parce que je veux le tuer. Je l'ai déjà un petit peu endommagé. Allez, recharge ta stamina. Voilà. Donc là, vous voyez bien. Ça ressemble un peu à ça. On a un petit temple et tout. D'accord. On a l'impression de se croire dans un autre jeu là, indirectement. Donc là c'est pareil, on va sauter de l'autre côté. J'espère ne pas me faire attaquer par n'importe quoi. Donc là on a des espèces que vous connaissez un petit peu. Donc là on commence à se rapprocher de plus en plus. Ah tiens, ça vole là-bas. Attends, je suis où sur la carte? Rapidement. En fait, ce qui est bien, c'est qu'ils me disent même pas où je suis sur la carte. Me dis range ton truc parce que sinon tu vas te faire tuer. Alors je vais vous montrer maintenant un truc qui va vous faire plaisir. On va monter un peu plus haut. On va dire pourquoi tu cours aussi vite? Parce que j'ai mis la vitesse maximum en raptor. Comme ça me permet tout simplement d'avoir la possibilité de s'enfuir parce que vous voyez bien que les espèces ici elles sont vraiment très agressives selon la zone. Et c'est pas intéressant de trop s'acharner dessus quoi. Oh merde, j'ai failli te voler là. Ah ouais, vous avez vu, j'ai failli de m'envoler là. Donc là, on va faire un petit tour là-bas. Donc là, on arrive presque au centre de quelque chose. Donc là, il y a Spino, donc mieux vaut l'éviter parce que lui, en quelques crocs,
Il m'aurait tué. Là, je suis en train de nager, donc il faut que je fasse attention aussi de ne pas noyer notre carnot. Notre raptor, pardon. Donc là, je suis pas sûr si je vais dans la bonne région, mais en tout cas, je pense. Je sais pas si ça va me recharger un peu ce que j'ai. Si ça va, ça recharge. J'attends que l'éclair il revienne à fond pour pouvoir taper un petit sprint. Parce que là, je me rends compte que il y a beaucoup d'hostilité dans les espèces. Hop, 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 il y a des scorpions. Je crois qu'il y en a même touché un. Un raptor. Merde, il y avait un aigle là qui m'a coursé. Là, vous voyez bien, on arrive autre part. Merde, merde, là, ça y est, je suis mort. Oh merde, ça y est, il est mort. Pff, la moitié de sa santé. La moitié de sa santé. C'est pour ça qu'il faut pas trop sauter n'importe comment. Ah, il y a de la lave. Merde. Et là, si je saute, il meurt. Oh merde. Faut que je trouve un endroit où il peut passer en paix. Là, il va mourir. Putain, je l'aurais perdu. De justesse. Il lui reste rien en fait, en tant que pourcentage. Donc là-bas, il y a la glace. Les mêmes systèmes. Une grotte de glace. Et là, vous voyez, il y a de la lave en fait, un peu plus loin. Hop, 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 hop. Voilà, voilà, il y a deux îles en fait qu'on peut rejoindre. Bien évidemment, on peut apparaître là-bas, mais à mon avis, si je vais à la nage, on va trouver des copains qui vont nous tuer. Ça va, j'ai de la chance pour l'instant qu'il n'y a personne. Dépêche-toi alors, Raptor. En un coup de croc, je le perds. Et moi aussi, je décède. Hein. J'espère qu'il n'y a pas de piranha, qu'il n'y a pas tous ces trucs-là, parce que ça m'aurait bien arrangé. Je vais faire un autre zoom. On a de la chance qu'ils ont mis que dalle en fait là-dedans pour l'instant. Allez, vas-y, arrive là-bas vite. Par contre, si je marche sur la lave, je suis mort aussi. Et là, vous voyez bien, c'est une île assez dangereuse parce qu'il y a beaucoup d'espèces extrêmement agressives à ce que je constate. C'est un peu comme l'île maudite en fait. Donc, je vais essayer de passer très rapidement dès qu'on va sortir de l'eau. Parce qu'un Spino, ça te flingue en 2 secondes. Un Rex également. Après, il y a des Raptors. Putain, mais je vais pile là où il faut pas quoi. Eh merde, en un coup de croc, il est mort. Ah, c'est la merde. Tiens. Puis il est en train de ce truc. Je suis pas sûr qu'il va réussir à recharger son éclair. Ah, la poisse. Je voulais vous montrer. Là, on est presque mort. Il va récupérer un jour son truc, vous pensez ou pas? Heureusement qu'il a la vitesse quand même accrue. Hein. Donc là, j'ai pas le choix parce qu'il y a un autre petit con qui arrive. Oh là là, il y a que des raptors ici. Ça y est, je suis mort. Il y a un raptor qui va arriver en moins de 2 secondes, vous allez voir. Donc là, il fait chaud à ce que je vois parce que bien évidemment, vous êtes sur une île de lave. Ah, le raptor, pourquoi t'es derrière moi? Il y a un lion carrément maintenant. Est-ce qu'il est toujours derrière moi? Ah, c'est galère de vous montrer parce qu'il a comme par hasard plus de machin là. C'est pour ça heureusement qu'il court vite parce que sans ça on est déjà mort. J'observe un peu parce que je peux pas me permettre de le perdre bêtement. Ce qui est bien c'est que je me suis vite abrité. Recherche ton putain d'éclair, dépêche-toi. Oh, c'est long ce jeu là, je te jure, je déteste en fait jouer en fait en mode normal parce que tu mets 2 heures à faire un truc que tu devrais mettre un peu moins de temps. Alors on va équilibrer la balance. Dans quelques temps vous allez voir. Donc là on a déjà des lions, des carnots, des scorpions, des rex. Alors, oublie body, à chaque fois tu vas te faire tuer ton truc bêtement. Donc le fameux lion, on va le laisser un peu plus loin. Là il y avait un autre raptor. Je sais pas où j'y vais mais j'y vais. Donc là, il y a des cristaux à récupérer. D'accord, je pensais qu'on pouvait pas y aller, c'est pour ça que j'ai ralenti parce que je connais pas du tout la zone ici, moi. Voilà, pop, 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 pop. Donc ici, est-ce que tu peux y aller ou pas? Non, tu vois, donc on peut pas faire ce qu'on veut.
On peut pas faire ce qu'on veut vraiment. Donc là on a quoi? Ok, c'est carrément un truc de lave. Je vais le faire reculer, on sait jamais. Oui, je vous ai dit, ça c'est une carte qui est beaucoup plus tendue que celle qu'on a connue en fait auparavant. J'attends que son éclair est à fond. Là, faut même pas chercher. Merde, il va mourir. Ça va, j'ai de la chance. Là, je cherche pas à comprendre, je ralentis, j'accélère. En fait, j'essaie de jongler avec les deux. Putain, il y a des loups. Laisse tomber ici. Des carnots, mais comment tu veux t'en sortir? Oh, les ouf. Normalement, tu meurs ici, hein, en quelques secondes. Hein. Tiens, tiens, tiens. Y a quelqu'un qui nous suit ou pas, à votre avis? Mais c'est quoi cette zone? Sérieux, c'est une zone de psychopathe ici, hein. Alors, il y a un Rex. Il y a deux cardos. T'es danger ici. Eh, c'est l'île la plus dangereuse ou quoi? Attends, j'avance encore un peu. Donc, il y a les loups. Fais gaffe, les loups, ils sont très, très, très dangereux. Je veux passer par derrière, mais j'ai reparé qu'il y a un Rex aussi. Putain, un carnot. Alors, oh là là, oh là là, l'île des psychopathes ici. C'est l'endroit le plus fou du jeu. En un coup de croc, je suis mort. Là-bas, il y a quoi? Il y a des loups. Il y a des rex, il y a des carnots. Eh, mais sérieux, c'est quoi cet endroit? Oh, il y a des lions. Ça recharge ton éclair, toi. On va finir par sprinter dans pas longtemps. Heureusement, c'est pour ça que je préfère mettre la vitesse accrue en fait au perso. Pas longtemps, il faut qu'il speed. Maintenant. Ah, le soleil, il m'éblouit complètement. Oh, il y a des Rex, des carnots, mais c'est quoi ce truc? Là-bas, il y a même des trucs que je connais même pas encore, des espèces. Ça va, je me suis caché un peu. Ok, donc là-bas, il y a de la lave. Je pense pas qu'on peut sauter. Ah si, tu peux. C'est bien ça. Voilà, donc il y a beaucoup de choses encore à explorer sur cette map aussi, mais la lave, si vous allez dedans, vous êtes mort. Hein. Je vous le dis tout de suite. Hein. Vous allez mettre votre fesse, vous allez faire. Ah ouais, bah bon, bah j'ai fondu. Eh oui, t'as fondu. Et pareil, dès que vous allez sur les points chauds, c'est la même chose. Mais ça, c'est la pire île que j'ai vue pour l'instant. La pire. Et là, on revient en fait au mode normal, là-bas. Tiens, il y a encore d'autres petits malins. Okay, mais c'est quoi? Mais ici, tu chasses, mais tu perds tout ce que t'as. Parce que regarde tout ce qui nous attend. Un petit magma et tout. Voilà, paie-toi derrière. T'as vu qu'il vient vers moi? Il y a un lion maintenant. Oh merde. Bon, on repart là où on est venu. Parce que sinon, je vais lâcher en moins de 2 secondes. Ce que j'ai fait en fait. Je suis pas sûr qu'on peut aller en face, mais je vais essayer. Donc, s'il n'y a pas de requin, ça va bien se passer. Mais si on a, on est mort. Faut que je lui sors la tête de l'eau. C'est quoi? Il y a encore. Oh, c'est quoi ces îles? Non mais sérieux, c'est quoi ces îles? En face, c'est la même merde. Ok. Donc il y a 2 îles en fait qui sont extrêmement dangereuses. Ça va, il n'y a personne qui nous a suivis. En fait, dès qu'il nage, il s'épuise. Merde. J'ai même pas besoin de forcer qu'il s'épuise en fait en nageant déjà. Oh la merde. Ça va être hyper chaud en fait de pouvoir y aller, hein. On va attendre un petit peu parce que sinon il va encore me faire une crise. Oh là là, oh là là, regarde-moi ce combat. Oh là 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 là. Oh le bordel. Donc fous-moi la paix parce que je suis pas ton pote. Ralentir, sprinter de temps en temps. Je connais pas du tout cet endroit de l'île là. Attends, où est-ce qu'on va finir là? Ah, ça va, là tu finis sur une vraie plage. Beaucoup plus intéressante. Mon cul, elle est vachement intéressante, ta plage body. Bah, t'as l'impression qu'elle est moins dangereuse.
Quoi, un scorpion alpha? Non. J'ai cru. Là, en fait, on a quoi? On a, comment vous expliquer ça? Un Predator alpha. C'est l'un des plus puissants. Lui, si tu veux te battre avec lui, t'as perdu d'avance parce qu'il a 30 000 de santé. Et c'est le plus puissant. Il court comme, il court encore plus vite que moi. Sacré bordel quand même cette carte. Vous voyez, c'est ouais, c'est petit et c'est grand à la fois en même temps. Ça dépend comment tu vois le truc quoi. Là, je pense qu'on va se faire flinguer. Merde, là, on va se faire flinguer. Donc voilà, je vous ai montré un petit peu cette découverte. Donc j'espère que ça vous a fait un peu plaisir, les amis, parce que c'est pas forcément évident de se balader dans ce genre de zone. Donc là-bas, j'aurais bien voulu vous montrer un petit peu plus loin la glace. Mais bon, ça c'est pas vraiment grave, au pire des cas on reviendra d'ici quelques temps. Mais je vais revenir en fait à ma propre création parce que c'est ça qui m'intéresse. Après ça reste juste de la nouveauté qu'on changera au fur et à mesure. Regardez-moi cette hostilité qu'il y a quand même. Coucou, coucou, coucou. Je pense que là on est poursuivi par la moitié de la jungle. Non mais sérieux, regarde. Il y a la moitié de nos camarades en train de nous poursuivre. Regarde, regarde! Et encore, je vais passer là-bas, ça va être la même merde. Coucou, je suis là. Oh, le drôle de. Le drôle de. Le drôle de jeu, je te jure. Si lui nous chasse, on est cuit. Ça, il va rebondir comme un petit con. Coucou! Comment la paix? Il court vite, lui, hein, par contre. Hein. Il court à la même vitesse que moi, regarde, il est déjà derrière moi. C'est ça l'avantage qu'il a, c'est qu'il est extrêmement rapide et extrêmement dangereux. J'aime pas trop l'approcher le alpha parce que c'est l'un des plus relous en fait à calmer. Oh un œuf. Oh des œufs. Oh c'est pas ce qui manque ici des œufs. On a vraiment besoin quoi. Donc toutes les espèces sont en train d'arriver sur moi, regarde, les scorpions, tout le monde. Ouais. Coucou, je suis là, je suis là, je suis là. On dit, il fait le dingue, mais jusqu'au moment où il va se faire croquer les fesses, il va faire aïe aïe aïe. Ouais, ça, c'est un coup à se faire exploser. Hein. Il m'a complètement bloqué. Tu vois, il m'a piqué les fesses. Oh, le pervers, celui-là. Donc là, t'as toute la jungle qui vient sur moi. Eh ben, je pensais pas que ça allait être aussi chaud finalement. Il y a encore des carnons ici. Donc en fait ça c'est bien pour survoler en fait, si tu as envie de t'amuser en fait à faire un petit tour ici pour voler un œuf ou deux. Mais bon, mieux vaut éviter. C'est quoi? Oh, un Rex Alpha. Un carnot Alpha, pardon. Oh, celui-là il est aussi chaud que ce que je vous avais montré tout à l'heure. Bon, ici par contre pour sortir du territoire t'es obligé de nager mais t'es vite fait mort. T'as trop sprinté, tu trouves pas là? Non! Non, 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 non! Bon, allons-y, tant pis. Ah, il y a l'arrêt. Merde! Ah, on va piquer la fesse de mon raptor. Il va mourir. Hein. L'arrêt, elle te flingue en moins de 2 secondes. Comment ça, elle te flingue en moins de 2 secondes? Bah, regarde, elle est juste là en train de piquer. Il y a un requin qui arrive. Si j'arrive à m'en sortir rapidement, ça va bien se passer. Mais vu qu'il nage plus vite derrière, regarde, ça y est. Oh là là, deux raies. De ré un requin, ils vont me toucher, regarde, regarde. Ça pince, hein. Regarde, ça pince bien. Hein. Oh les ordures. Ah les raies, elles sont bien relou. Hein. Mais moi, elles m'ont éclaté hein, par la même occasion. J'ai aucune chance. Donc je vais faire la même, hein. Tu vois, ça y est, les raies sont en train de me fumer. J'ai aucune chance, hein. Tu vois, c'est très tendu. Voilà, je suis mort. Donc je vous dis, hein, il y a des trucs comme ça là sur la nouvelle carte. Si tu veux te balader un peu partout, tu pourras pas. Donc là, c'est pareil, tu as des zones un petit peu partout. Donc là, tu as une autre zone qui peut être intéressante pour certains. C'est là. On n'a pas forcément vu encore qu'est-ce qu'elle peut procurer. Mais je vous dis, il y a pas mal de petites conneries. Hein. Oh, ça de complète. Mais c'est quoi cette zone ici? Donc là, tu es dans les marécages. Et là, c'est pas ce qui manque. Des, ouais, par contre, ils sont un peu lâchés sur certaines zones. Hein. Il n'y a pas d'espèce dans d'autres, mais alors là. Oh, tu vas vite mourir, beau dire. Oh, les abeilles qu'il y a. Regarde tout ce qu'il y a.
Le jeu il se met complètement à bugger, je suis complètement à 19 FPS. Ouais, ok, bon bah si tu veux. Oh, il y a mon pote là-haut. Bah lui, la dernière fois je l'ai cherché, je l'ai pas trouvé. Donc en fait, ils ont rempli petit à petit la carte. Non, en fait, ça dépend combien tu mets de peut-être de difficulté. Comme ça, t'as plus en plus d'espèces, c'est ce que je pense aussi. Par contre, il y a toujours ce gros défaut, il y a des bières, le glaçon. Voilà. Ça, c'est vraiment chiant parce que le glaçon, dès qu'il vous tombe dessus, vous tombe. Et j'ai un Sarko qui arrive derrière. Je sais que c'est les élections, mais il faut qu'il se calme un peu. Ah, c'est bon, il s'est calmé, il a raison. Et après, on a des nouvelles espèces aussi qui ont apparu un peu plus loin. Bref, de toute façon, on s'en fout, on va pas faire pour l'instant cette carte. Elle est bien, mais le problème, c'est qu'il y a trop de bordel aussi dans cette carte. On a un peu trop. Voilà les amis, donc moi je vous dis à plus tard, je vous retrouve pour le reste de la construction et vous allez voir, ça va bien évoluer de l'autre côté également. A plus tard, prenez soin de vous. Thank you.